Vous devez absolument essayer cette astuce car elle vous permet de blanchir vos dents en 2 minutes seulement. Vous-même à la maison, cette astuce paraît très simple mais pourtant très très efficace. Coucou mes amours, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Suzanne et vous êtes bel et bien sur ma chaîne YouTube Au cœur du bien-être. Oui, vous êtes ici au cœur du bien-être. Je vous remercie du soutien pour ceux qui sont déjà abonnés, pour ceux qui sont de passage. Bienvenue ici au cœur du bien-être. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette belle communauté, abonnez-vous car ici même, c'est la chaîne leader en astuces du bien-être. Tout ce qui concerne astuces de vie, astuces beauté, astuces santé, astuces maison, astuces de grand-père, astuces de grand-mère, tout se passe ici même. Nous partageons une nouvelle vidéo chaque jour. Donc ne passez pas sans vous abonner. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager au maximum sur les réseaux sociaux afin qu'elle puisse aider bien d'autres. Ils nous ont dit. Nous allons également avoir besoin d'une bassine d'eau pour nettoyer notre gingembre. Vous allez prendre vraiment soin de très bien nettoyer votre gingembre parce que nous n'avons pas besoin d'amener la saleté au niveau de nos dents. Après avoir bien nettoyé le gingembre maintenant, vous savez déjà que nous avons besoin du sel de cuisine. Et il faudrait que le sel soit vraiment, vraiment fin pour qu'on puisse réussir l'opération. Nous allons donc essayer de couper notre gingembre pour former vraiment un angle droit. C'est-à-dire, nous allons essayer de tailler de telle sorte que ce soit très facile pour nous de l'imbiber dans notre sel et de pouvoir ramasser une quantité raisonnable pour notre opération. Avant qu'on ne continue dans la vidéo, si vous avez oublié de liker la vidéo, vraiment, je vous invite à le faire, mes amours. Si vous aimez les astuces santé, si vous aimez les thématiques bien-être et que vous souhaitez nous encourager dans cette lancée, likez la vidéo, partagez-la au maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des astuces comme celle-ci que vous utilisez naturellement pour prendre soin de vos dents, de vos gencives et de votre haleine en général, laissez dans les commentaires. Ça va certainement aider bien d'autres. Donc, après avoir trempé, imbibé notre sel de notre gingembre, je ne sais pas si on dit comme ça, nous allons tout simplement frotter nos dents avec, frotter. Vous allez frotter vraiment. Il y a vraiment la technique de le faire. Donc, vous allez placer ça sur vos dents, appuyer vraiment et pouvoir maintenant frotter délicatement de telle sorte que les tâtres vont quitter, les parties qui sont jaunâtres vont dégager. Ça va laisser vraiment vos dents blanches. Il y a vraiment le mouvement que vous allez pouvoir vraiment appliquer pour réussir efficacement. Regardez, vous allez faire les mouvements circulaires. Allez de haut en bas, du bas vers le haut, mouvement circulaire, bas vers le haut, haut vers le bas. Vraiment, quand vous appuyez le mélange, dès que vous constatez que le sel est fini, vous ramenez dans votre main, vous prenez encore un peu de sel, vous frottez vraiment, vous insistez, vous frottez délicatement. Avec une façon, vous mettez, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça mes amours, mais je suis sûre et certaine que vous avez compris. Nos aïeux, nos ancêtres ont toujours utilisé des méthodes comme celle-ci pour pouvoir avoir des dents en bonne santé avec des gencives bien fortes. Ils n'ont jamais eu à avoir de problème de caries, d'avoir besoin d'un dentiste, non. Avec des astuces comme celle-ci, vous allez tout simplement bien prendre soin de vos dents, blanchir vos dents vous-même à la maison et avoir des dents en très très bonne santé. Regardez mon gingembre, comment est-ce qu'il a vraiment diminué d'épaisseur, juste pour vous montrer à quel point il faut frotter et insister. Voilà le résultat mes amours. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, je vous invite à liker la vidéo, commentez-la et surtout partagez-la au maximum sur les réseaux sociaux afin qu'elle puisse aider bien d'autres à prendre soin de leur dentition sans aucune difficulté avec des simples astuces comme celle-ci. Donc mes amours, si vous n'êtes pas encore abonné ici au cœur du bien-être, abonnez-vous à ma chaîne YouTube au cœur du bien-être pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos où je partage au moins une vidéo par jour. On va donc se prendre demain dans une prochaine vidéo comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.